amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis ravie de vous retrouver avec une vidéo brocante. Mes achats en brocante. Oui, hier avec ma maman, on est parti. Je vous en ai parlé d'ailleurs dans mon dernier weekly vlog, donc je vous le remettrai par ici, s'il est déjà en ligne. Et du coup, on a été faire une petite brocante en salle, même si aujourd'hui il fait un très très beau temps. J'espère que la luminosité, ça ira. Mais hier, il faisait pas spécialement beau, mais il faisait pas froid, mais il y avait une petite brocante en salle pas très loin de chez moi. Donc ma mère, elle m'a dit, vas-y, viens, on va voir et tout. Et on a trouvé vraiment de très 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 belle petite merveille. Petite parenthèse, pour mes cheveux, vous êtes nombreux à me demander si j'avais ma nouvelle coiffure, puisque je vous avais parlé sur les réseaux sociaux. Je vous invite à aller lire mon article sur le blog, sur le site avec lequel je suis passée pour faire venir un coiffeur à domicile. Et du coup, je vous invite à aller le lire et à commenter mon petit article si ça vous dit, pour savoir mon avis, si je suis conquise ou pas. Mais j'attends vos petites réflexions, gentilles ou pas, sur cette nouvelle coiffure. Bref, on revient à notre haul. J'ai trouvé des merveilles pour une fois. Alors c'est assez rare parce qu'en région parisienne, je faisais pas mal de brocantes. Enfin, j'en faisais quelques-unes. Et en fait, je trouvais jamais grand-chose parce que déjà, premièrement, les gens ont tendance à vendre cher. Alors en brocante, je dis pas que je veux payer pas cher, mais bon, il y a des trucs des fois, ils vendaient 1 euro de moins que si on l'achetait dans le magasin. Donc bon... pour moi c'est pas ça le but en brocante. Et alors surtout il y avait beaucoup de gens aussi qui vendaient des choses qu'ils avaient trouvées dans les poubelles. C'est pas que ça m'intéresse pas, mais voilà, moi je recherche des petits trucs spécifiques et bah ça m'intéresse pas spécialement d'aller chercher, de trouver des trucs qui ont été trouvés dans les poubelles et qui sont revendus sur les brocantes. Donc en région parisienne avec mon mari, on y allait plus trop souvent parce que à part trouver quelques petits DVD, des petites choses comme ça, on trouvait pas des trucs de fou. Alors là j'en ai fait une, la première de l'année. Et j'ai trouvé trop de choses trop bien, les gens avaient vraiment plein de choses intéressantes à vendre, des vêtements top qualité, enfin j'étais ultra étonnée avec ma mère, on était... Je commence d'abord par les merveilles que j'ai trouvées au niveau des jeux de société. Je vous invite à aller découvrir la chaîne de Elodie, de la chaîne Elodie Moitsou, qui parle beaucoup de make-up, mais aussi de jeux de société. Si vous suivez mes vidéos, vous savez qu'elle m'influence déjà même pour le make-up, mais là, au niveau jeux de société, je sais qu'elle a de grandes connaissances. En jeu de société, elle a offert 2 jeux à mes enfants quand elle est venue me voir à Paris, à l'époque où j'habite encore à Paris. Et elle m'a offert 2 jeux de la marque ABBA. Depuis, nous sommes fans, nous y jouons tout le temps avec mes enfants. Et là, j'en ai trouvé 3 et un 4e qui n'est pas de la marque ABBA. Et honnêtement, je peux que vous les conseiller. Celui-ci est énorme. C'est des pièces en bois à l'intérieur. Souvent, c'est des jeux très éducatifs. D'ailleurs, on les utilise aussi parfois à l'école, en petite section, grande section, etc. Là, c'est mon pays magique. Ma première sélection de jeux. Il y a plusieurs jeux de plateau à l'intérieur. Je crois qu'il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 jeux de plateau. Et c'est à partir d'un an et demi. Donc, c'est vraiment parfait. Regardez, ils sont là, les 9 jeux. Donc, 9 jeux différents dans une seule boîte. Elle coûtait 8 euros. Ce qui est quasi donné, sachant que ça doit coûter 30, 35, 37 euros sur Amazon. Donc honnêtement, je vous invite à aller découvrir cette marque là si vous ne connaissez pas pour vos enfants. Là, j'ai pas encore donné à ma fille, je le garde pour son anniversaire. Oui, on utilise aussi les cadeaux de brocante pour les anniversaires. Parce que j'en ai acheté 4, j'en ai donné 2 et les 2 autres, je le garde pour son anniversaire. Ça servira à ma fille, mais ça servira à mon fils aussi. C'est un cadeau commun vu qu'ils sont nés quasi en même temps. Toujours dans la marque ABBA, donc. J'ai pris celui-ci je lui ai donné hier, on a joué au moins 30 parties. Ma première pêche, c'est juste génial ce jeu-là aussi. À partir de 2 ans, c'est des jeux qui viennent d'Allemagne. Et c'est un jeu tout simple où il faut pêcher les poissons, vous lancez le dé, vous avez la couleur du poisson à pêcher. Si vous arrivez bien à pêcher du premier coup sans vous tromper, donc un petit peu de motricité fine, vous prenez un objet de la plage qui correspond à la couleur et vous le mettez sur votre plateau. Le premier qui a fini son plateau a gagné la pêche. Et vraiment trop sympa à jouer, même pour les adultes, c'est vraiment très sympa. Celui-ci, je l'ai payé 5 euros, tout comme celui-ci. Après, le couple a fait un prix groupe, un prix gros puisque j'ai pris pas mal de choses. Mais donc 5 euros aussi celui-ci, chute coco. Celui-ci, il faut endormir ou réveiller les animaux de la ferme. Honnêtement, j'ai pas encore joué puisque je lui donnerai à son anniversaire aussi. Mais il a l'air très sympa. Pareil, ça sera pour Oran, je pense que j'en donnerai un pour Oran, un pour Kayla, enfin on verra. Et si d'ici là je retrouve d'autres dans les brocantes, je prendrai parce que ça vaut vraiment le coup. Pareil, ça en magasin ou sur Amazon, je crois que c'est autour de 12, 13, 15 euros. Ça dépend bien sûr les endroits. Donc vraiment, j'ai hâte de jouer avec eux avec celui-ci. Et hier aussi, on a testé celui-ci qui est de la marque Jeco. Je sais qu'ils font des jeux aussi qui sont pas mal du tout. Là, ça s'appelle Little Association. On a des petits plateaux comme ça avec des animaux. Il y a 3 animaux avec leurs univers.
on tire une carte, tout le monde a droit de jouer ensemble, on tire une carte et on doit attraper l'animal qui correspond à cette carte. Par exemple là, la carotte ça correspond au lapin, on attrape tous le lapin et on doit le poser sur son univers, entre guillemets, la maison du lapin, entre guillemets. Et si on a été le plus vite, le plus rapide, et bien on garde la carte. C'est un peu une sorte de jungle speed, version enfant. Et ça marche très très bien, c'est très sympa, c'est un jeu d'observation, de mémorisation, c'est très 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 sympa, pareil, 5€. C'est des jeux, encore une fois, avec des figurines en bois, très bonne qualité, honnêtement, ils sont complets, rien à dire. Donc là, j'en avais à peu près pour une 20aine d'euros, et avec ça, j'ai pris aussi un calendrier mensuel, enfin, vous allez voir, comme ceci. Donc le tout, les 4 jeux plus ce calendrier-là, j'ai payé 26€, donc je trouvais que ça valait vraiment le coup, ça fait autour de 5€ pièce. Là, vous avez donc la date, voilà, c'était la date du jour de la brocante, et vous pouvez mettre la météo, la saison, ça c'est un truc que j'avais vu chez Toys R Us, je crois, qui coûtait 12, 15€, 20€, je ne sais plus exactement, mais je voulais le mettre sur la wishlist pour mes enfants, mais voilà, pour à peine 4€, je pense, ça valait le coup, il est complet, juste les dates, ça s'arrête en 2020, donc après on verra, je ferai une petite carte 2021 quand on y sera, mais c'est pas pour tout de suite. Mais voilà, je suis trop ravie de ce petit truc là, il est en très bon état, les gens qui les vendaient, vraiment c'était top qualité je trouve. Et j'ai acheté aussi avec ceci des petits chaussons pour ma fille, vous savez des petits chaussons de, entre guillemets, gym, danse là, mais je les ai laissés en bas, je pense, pour les laver. Ils étaient à 1€, alors 2€, mais comme j'avais que 1,80€, je les ai fait à 1,80€. On va rester dans tout ce qui est éducation, je vais souvent en brocante pour trouver des livres, surtout les livres de l'école des loisirs, les gens s'en débarrassent vraiment souvent. Et c'est des livres, voilà, c'est un abonnement que vous pouvez prendre, ou vous pouvez acheter des livres 5€ pièce au magasin, mais moi j'avoue qu'en brocante à 1,50€, j'aime bien en prendre plein. Là j'en ai trouvé deux de l'école des loisirs, donc celui-ci qui s'appelle, si je vous le montrais à l'endroit, ça aurait été mieux, Mouche, faut que je vérifie si je l'ai pas dans ma collection, parce que j'ai une collection énorme de l'école des loisirs. Je vous avais dit que je vous ferais une vidéo avec les auteurs que je préfère dans ces éditions-là, je pense que je vais vous faire ça très prochainement, mais j'ai pas encore le temps de me pencher dessus. Et celui-ci, moi je vais là, de Sabine de Greff, pareil, là c'est pas l'école, aussi c'est l'école des loisirs aussi, et c'est l'édition pastel aussi que j'aime beaucoup. Un autre, on est aux éditions Ozu, qui est la fameuse édition aussi qui fait les livres Le Loup, Qui avait peur de rien, etc. Des livres que j'aime beaucoup utiliser dans ma classe, là c'est La Belle et la Bête, ma fille aime beaucoup La Belle et la Bête, c'est pas la version Disney hein, bien sûr, mais bon, je me suis dit pourquoi pas lui lire, ça peut être sympa d'avoir différents types de versions de livres. Toujours en édition l'école des loisirs, celui-ci c'est une grande version, Sarah à l'école, et ça me plaisait bien pour la rentrée des classes, pour le lire à ma fille pour l'année prochaine. J'aime bien avoir une petite sélection de par thème, vous savez, thème rentrée des classes, thème hiver, thème... Donc voilà, je vais essayer de faire ça dans son armoire, lui faire par thème. Pour finir, pour mon fils et ma fille, je leur ai pris deux livres comme ceci. Un qui était un peu sur le thème Afrique, Oulala chasseur de lion, de l'édition Bayard, Les belles histoires des tout petits. Donc c'est des livres qui sont plastifiés, à l'intérieur les pages sont brillantes et plastifiées, donc logiquement on peut pas les déchirer. Ma fille n'a jamais déchiré aucun livre, mais mon fils oui. Donc il y a celui-ci, donc Oulala chasseur de lion et Le grand amour de Beau l'ourson. Voici la sélection livres, j'ai trouvé que ça, il n'y a pas des masses de livres. Je cherchais des livres musicaux, mais c'est dur d'en trouver, je pense que les enfants l'utilisent tellement que les gens après ne peuvent pas forcément le revendre en brocante. Donc ça, ben, je continuerai mes petites recherches aux prochaines brocantes. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire dès maintenant si des hauls comme ça brocantes ou même des vlogs brocantes vous intéressent. Je sais que ma copine Mélanie de la chaîne Happy Together 17 en faisait pas mal l'année dernière. Là, elle a commencé à reprendre un peu les brocantes. Donc n'hésitez pas. Moi, je vous ai fait une fois, je crois, un haul brocante. Je crois. J'essaierai de vous remettre quelque part. Mais bon. N'hésitez pas à me dire si ça vous plaît ou pas. Pour ma fille, j'ai trouvé 3 petits vêtements Kiabi à 1€ et celui-là 50 centimes. Une petite jupe noire comme ça en taille, je crois, 5-6 ans. Donc pareil, ça c'est, vous savez, elle aime bien les jupes et tout ça, donc ça va être pour elle. Elle est un petit peu, on voit qu'elle a été, elle a pas mal servi, donc j'ai payé 50 centimes. Et 2 petits t-shirts qui n'ont pas du tout servi, je pense, puisqu'ils sont vraiment très très bon état. Toujours en taille 6 ans, comme ça on est large, de chez Kiabi. Et une petite chemisette, alors ça elle était contente parce qu'elle a pas trop de chemise. Toujours en taille 6 ans de chez Kiabi, elle est blanche avec des petits pois roses, je sais pas si vous les verrez. Voilà, une petite chemise assez basique. Et moi, je me suis trouvé un petit pull à 1€, et si vous avez suivi mon dernier haul, craquage chez Kiabi, avec justement ce petit haut-là, j'ai en ce moment une folie un peu rose, et là j'ai trouvé un pull rose. Je me suis dit, bon, il paye pas de mine comme ça, je crois qu'il vient de chez Blanche Porte, mais c'est un taille 44-46.
Donc basique en haut, hein, tout simple. Et alors, vous avez en fait la touche qui était sympa, c'était le derrière. Il est ouvert sur le derrière avec une sorte de voile rose un peu transparent comme ça. Et très long. Très long, très long, très long, qui tombe bien bas des fesses. Donc je me suis dit, pourquoi pas, ça m'a l'air plutôt sympa, 1€. Je vais le laver là de suite et puis ben, on verra. Mais je trouvais ça sympa ce petit voile. Je sais pas si vous le voyez bien. De toute façon, j'essaierai de vous montrer si c'est joli porté, une photo sur Instagram. Bon, comme d'habitude, je suis essoufflée, mes cheveux sont en pétard, j'ai chaud. Je sais pas pourquoi aujourd'hui, il fait chaud. On va pas se plaindre, c'est trop bien. En tout cas, je suis ravie de mes trouvailles là en brocante. C'est vraiment des merveilles, je trouve. J'en ai eu pour tout ça à peu près pour 30€, donc vraiment pas grand chose. Ma mère s'est trouvé beaucoup de vêtements de très bonne qualité, très bonne marque, à 1€. Rien à dire, j'ai hâte de faire les brocantes dans le Nord. Je vous fais de gros bisous, je vous invite à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et je vous dis à très très vite. Salut !